ce qu'ils ont dit de la Bible. J'ai eu trois éducations. La rue, l'école, la Bible. C'est finalement la Bible qui compte le plus. C'est l'unique livre que nous devrions posséder. Duke Ellington. Bonjour à tous. Duke Ellington est né le 29 avril 1899 à Washington. Il était pianiste, chef d'orchestre, compositeur de musique et de musique de jazz en particulier, mais aussi compositeur de comédie musicale. Il est mort à New York le 24 mai 1974. Il a été un soutien du mouvement des droits civiques en faveur des Afro-Américains, un porte-parole de leurs conditions sociopolitiques. La rue, l'école, la Bible. La vie peut commencer dans la rue et les fréquentations ne sont pas toujours bonnes. La rue, c'est souvent ce temps que l'on ne passe pas en famille et où l'éducation est en fonction des personnes fréquentées et rarement bonne. L'école, c'est l'instruction. C'est là que nos parents nous envoient pour acquérir une connaissance et nous préparer à la vie. Les parents souhaitent que leurs enfants s'en sortent mieux qu'eux avec l'instruction. L'école, c'est apprendre à lire. La Bible, c'est ce qui compte le plus, comme le dit Duke Ellington. C'est le plus important. C'est s'approcher de Dieu et connaître ce que le vrai Dieu attend de nous et ce qu'il nous propose. C'est recevoir l'instruction, la connaissance des choses de Dieu. C'est connaître la vérité. La Bible, Duke Ellington la place au-dessus de tous les livres, car dit-il, c'est l'unique livre que nous devrions posséder. C'est son expérience qui parle. Après la rue et ses fréquentations, après l'école et son instruction, la Bible nous place dans la réalité des choses et nous montre le chemin que Dieu a préparé. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. La Bible nous présente Jésus comme la porte. Celui qui entre trouve des pâturages. Les pâturages, c'est l'image de la bonne nourriture, la parole de Dieu. Mais c'est aussi l'image du repos, le repos de l'âme et la tranquillité dans ce monde agité. Seul Dieu peut apporter cela. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, nous dit, et c'est Jésus qui parle, Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus nous donne sa paix, c'est à nous de l'accepter, et nous n'aurons pas le cœur troublé. Lisez la Bible et apprenez à connaître Dieu. Que Dieu vous bénisse.